Il y a déjà à l'époque, quelques années de ça, c'est le professeur Bernard Debray, qui était ministre de la Coopération, qui m'avait expliqué dans son bureau à l'hôpital Cochin à Paris qu'il y avait un groupe ethnique au Rwanda, dont des Tutsis, qui ambitionnait de créer un empire, ce qu'on appelait, ils appellent l'empire Hima, qui avait vocation à rassembler l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo, où cette minorité aurait, je dirais, le pouvoir sur toute cette région, et que leur ambition ne s'arrêtait pas là. Leur ambition allait jusqu'en Afrique centrale, c'est-à-dire vers la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville, le Gabon, etc. Donc, on avait passé près de 45 minutes, il m'a expliqué cette histoire et ce projet. Je trouvais complètement loufoque, complètement ubuesque, et je n'avais pas pris tout cela au sérieux. Quelques années après, lorsqu'il a publié son ouvrage, je me suis rendu compte qu'en fait, il apportait beaucoup plus de détails, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que j'ai découvert dans les archives de l'Élysée que le général, le chef d'état-major particulier du président Mitterrand, Monsieur Queneau, le général Queneau, évoquait également cette question-là. Mais et c'est le plus stupéfiant pour moi, ça a été de constater que dans les archives du président Clinton, l'ambassade des États-Unis au Rwanda avait rédigé en novembre 1994 un rapport sur ce projet. Donc la Maison-Blanche, comme l'Élysée, était au courant que la minorité Tutsi avait vocation à dominer, voulait dominer effectivement l'Afrique centrale, mais personne n'a rien dit et on a laissé faire tout cela jusqu'à présent. Alors on va voir. Empire Hima mis à nu, avertissement et appel urgent à l'action de Charles Onana. Dans une révélation récente, le journaliste d'investigation Charles Onana a mis au jour un complot géopolitique orchestré par Kagame et Museveni, soutenu par les États-Unis et l'Occident, visant à établir l'Empire Hima dans la région des Grands Lacs et en Afrique centrale. Cette révélation alarmante exige une attention immédiate de la part des nations vulnérables et de leurs populations, exposant un programme qui représente une menace grave. Des pays tels que le Mozambique, la République centrafricaine et le Congo-Brazzaville sont maintenant en état d'alerte alors qu'Onana lance un avertissement sévère contre l'entrée de Kagame et de son régime. Le journaliste met en avant les conséquences potentielles d'accueillir ces personnalités influentes, mettant en lumière leur historique d'agression et de déstabilisation dans leur quête implacable de pouvoir. La crédibilité de Charles Onana découle de nombreuses années de recherches dédiées et de nombreux livres documentant les événements au Rwanda. Sa connaissance approfondie souligne la gravité de son avertissement, exhortant les nations à examiner attentivement leurs alliances et à protéger leur souveraineté contre une manipulation potentielle. Les révélations d'Onana devraient susciter des appels à la solidarité et à l'assistance en faveur de la République démocratique du Congo, RDC, pour résister à l'agression du régime de Kagame. Il souligne l'importance de se méfier des récits médiatiques entourant Kagame, car ils servent souvent de propagande occidentale, le présentant favorablement tout en dissimulant des actions exploitées, telles que le vol de minéraux du RDC. La chute potentielle de la RDC serait un revers significatif pour l'Afrique dans son ensemble. À ceux qui entendent parler de Charles Onana pour la première fois, en particulier si vous êtes africain, je vous encourage vivement à acheter et à vous plonger dans ces livres. Ils offrent une compréhension approfondie de la manière dont Kagame et Museveni sont parvenus au pouvoir avec le soutien occidental, malgré leur statut minoritaire en Ouganda et au Rwanda. Ces livres sont des ressources essentielles, dévoilant les subtilités des manœuvres géopolitiques façonnant le destin des nations au cœur de l'Afrique.